Salut les amis célèbres, je vous fais une vidéo parce qu'on me l'a souvent demandé en stream. Quel deck je peux prendre? Je suis à tant de trophées, et c'était souvent des joueurs qui étaient assez bons en trophées, c'est-à-dire en dessous de 1000 trophées, voire entre 1000 et 4000 trophées. Donc je vais commencer à faire une vidéo. J'avais fait une vidéo sur les arènes 1, arènes 2, mais bon, c'est un peu long et je pense pas que ça soit très très intéressant pour vous. Donc je vais commencer à faire une vidéo à partir de 1000 trophées. Donc je me dis, ah, t'es arrivé à 1000 trophées, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je joue, qu'est-ce qui peut me débloquer, c'est parti. Allez, let's go sur le jeu. Alors, je vous ai trouvé ce petit deck, c'est à peu près le même deck que je jouais quand j'étais dans ces eaux-là à 1000 trophées. Normalement, vous pouvez débloquer toutes les cartes, donc vous avez réussi à débloquer toutes ces cartes. Explication, coach, vous pouvez le garder. Logiquement, vous avez pu le développer, le monter un petit peu en niveau. Ça sera celui qui aura plus de niveau si vous avez rien payé. Donc utilisez-le, il est assez fort. Donc l'ingénieur, faut les voir ensemble. Ingénieur et papy. Hein. Papy, il vous servira à déplacer les ingénieurs. Voilà. En fait, le but du jeu sera de regrouper plusieurs ingénieurs pour qu'ils puissent activer sa compétence. C'est à partir de 5, 6, 6, je crois que c'est 6. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Je crois que c'est 6 ingénieurs où il augmente ses dégâts. Donc, et il augmente bien ses dégâts. Donc, les regrouper, ça peut faire un chemin en S, peu importe, tant qu'ils sont alignés, quoi qu'ils se suivent, qu'il n'y a pas de carte entre. Voilà, ça les active. Et pour cela, donc déplacez avec les papys. Si vous avez trop de papys, fusionnez-les entre eux. Il n'y a pas besoin, il en faut un par level. Un papy niveau 1, un papy niveau 2, un papy niveau 3. Voilà. Comme ça, vous êtes tranquille, vous faites vos petits ménages. Et donc, avoir les ingénieurs à la suite qui se suivent. Lui, le bombardier, ce qu'il va faire, s'il va stun il va stopper les troupes qui vont arriver en face. Pour que vous puissiez faire plus de dégâts, donc il va les ralentir, les stopper, il va les assommer, et après ce sera à vous avec l'ingénieur à taper, à taper, à taper, à taper, tranquille. Il n'en faut pas trop, c'est pas nécessaire. Un beau ingénieur niveau 2, 3, 4, c'est pas mal. Ensuite, mage de glace, pour tempo, un peu sur le terrain, ralentir les troupes, voilà, pareil, on ralentit, on stoppe, on tape, on tape, on tape, voilà, c'est très bien, on ralentit, on stoppe. Là, le but, c'est pas forcément de chercher à dégommer tout le monde. On ralentit la game, on gère la game, on fait les dégâts avec les ingénieurs. Toujours les stacker, essayer de les développer au fur et à mesure, mais on va pas faire fusionner le gros ingénieur qui est au milieu. Parce que si c'est pas un ingé, que ça fait un bordel, qu'il n'y a plus de suite, qu'il n'y a plus de DPS, ça peut être compliqué. Donc, essayer de faire fusionner le petit ingénieur qui est sur le côté. Comme ça, si ça up, c'est très bien, on continue, et si ça up pas, ben, c'est pas grave, on peut le refusionner pour essayer de l'obtenir. Et je vous ai mis la sentinelle, qui est une carte qui est présente facilement, hein, parce que là, c'est pas un gros deck, c'est un deck qu'on peut utiliser à partir du trophée. Donc, la sentinelle, TPS, DPS pas mal, augmente 10%, augmente progressivement ses dégâts par tranche de 10%, plus son rond de fusion est élevé, donc voilà. On augmente les rangs de fusion, pack, sentinelle 2, 3, 4 et 40%. Ça tape, ça déménage pas mal. Ça aide l'ingé et tout le reste est ralenti. Et voilà, et vous gagnez des games sur des games sur des games. Puis ainsi de suite, jusqu'à 2000 trophées, 3000, 4000. Et après, on verra dans une autre vidéo comment ça se passe. J'espère que cette vidéo va vous aider, que vous allez monter le plus possible. Mettez-moi en commentaire à combien de trophées vous êtes. Si cette vidéo vous a aidé, si vous trouvez qu'il y a un problème dans ce deck, dites-moi le, ça peut aider vos collègues. Moi, j'en ai pas besoin. Ciao ciao, c'était Leb, des bisous, bon courage.